toujours rien? Un livre de Christian Wolff. Toujours rien? Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Dans ce trou énorme, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis, Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser, 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 tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée, bien humide. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends » parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir, évidemment. C'était trop tôt. « Il faut être patient, » dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. C'était encore trop tôt. « Je reviendrai demain, » dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien à voir. « C'est long à pousser !» dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez !» dit-il un peu énervé à l'oiseau. « Pas la peine que je revienne demain !» Mais l'oiseau ne répondit rien. Dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. Toujours rien, a dit Monsieur Louis quand il est revenu le lendemain.